gloire à Dieu. Nzamba pambola bino. Vraiment, na pokwa lelo toye na kombo ya corps pastoral mobimba ya Belgique. Na mawa oye komeli biso. Ndenge to uchi kubungisa pionier munene muto a défricha champ ya évangélisation pe implantation ya église a réveil na mboka o ya Belgique évêque Martin Moshebele o ya tikibiso yango to sangani lelo d'une façon vraiment spontanée na kombo ya corps de Christ mobimba ya Belgique na kombo ya basali na nzambe na kombo ya beglise nyoso tu na kombo ya bana nyoso tu ya nzambe to eko présenter ba condoléances na biso na famille mobimba biologique ya évêque Moshebele et puis famille na ye ya niveau église bana nyoso tu ya nouvelle Jérusalem na passe ekomeli biso en même temps mes condoléances na corps de Christ mobimba ya Belgique vraiment que nzambe oyo tosale la kanzambe o atambola kina mosali na ye évêque Moshebele bané na bambule belé takata mboko ya Belgique o ya bundi bitumbe belé pour bisou lelo nouvelle génération to ya ko implanter ba église nzambe wana a consoler corps de Christ mobimba ya Belgique a consoler famille biologique a consoler famille église a fortifier bango et puis toza ensemble na épreuve wana to lancer appel oyo ko yebisa famille église famille biologique y évêque Moshebele biso corps de Christ mo toza disponible to kozala wana et tozo zela bo pia biso programme ya suite à makambo nyonso tout vraiment en même temps bana na nzambe nyonso to basana na nzambe nyonso mobiliser pour na événement nzambe a pambola biso nzambe a fortifié biso molimo santu a fortifié bana nyonso tout ya nouvelle Jérusalem na yebike évêque Moshebele a sali musala ya munene la preuve en est que biso génération asika na kombo ya corps pastoral nyonso tout au bazalaka na Belgique awa vraiment mes condoléances na biso et nzambe a songa biso azala na biso je crois que voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cet événement qui nous est arrivé. Ce matin, personnellement, j'ai appris avec étonnement, voilà la nouvelle de notre bishop Moshebele qui est décédé. Et je n'ai pas cru la nouvelle dans un premier temps, mais après avoir passé quelques coups de fil, j'ai eu la confirmation. J'ai été grandement désolé. Déjà de un, j'ignorais que le bishop était malade et qu'il a été hospitalisé. Et voilà, bon, vu que nous sommes face à cette situation de décès, et en tant que membre qui compose le corps pastoral de la Belgique, voilà, on essaie déjà à notre niveau de se réunir pour voir de quelle manière nous pouvons participer aux obsèques de notre pionnier de l'Évangile dans ces royaumes de la Belgique. Voilà, donc en mon nom personnel et au nom du corps de Christ qui nous compose, de la pastorale de la Belgique, nous venons présenter nos condoléances les plus attristées à la famille biologique des bishops Moshebele ainsi qu'à la communauté aussi de la Nouvelle Jérusalem. Et voilà donc que nous sommes disponibles pour participer avec la famille ainsi que la Nouvelle Jérusalem aux obsèques de notre grand pionnier de l'Évangile dans ce royaume de la Belgique. Et nous prions que l'Éternel puisse consoler toute la famille biologique des bishops ainsi que la communauté de la Nouvelle Jérusalem partout où ils se trouvent. Et nous présentons également, voilà, les condoléances à toute l'Église
de la Belgique parce que c'est la grande église qui est éprouvée aujourd'hui. Voilà, que Dieu bénisse le peuple de Dieu. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que shalom à l'église de Dieu. Personnellement, je suis très, très touché au fait d'apprendre les départs vraiment étonnants et tristes du bishop. Vraiment, bon, de mon vivant, je n'ai pas eu l'opportunité de les rencontrer comme ça. Mais je passais quand même mon temps de suivre ces émissions depuis Kinshasa dans des différentes missions chrétiennes. C'était un homme qui avait un parler très particulier, très profond dans les prédications, un grand formateur. Et je ne pouvais pas suivre une de ses prédications sans vraiment réaliser qu'il avait un appel exceptionnel, révolutionnaire, je peux dire, de deux, trois générations. Mais bon, la parole du Seigneur nous dit clairement que dans toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. On ne peut que rendre gloire au Seigneur de ce qui s'est passé. Mais étant humain, on reste toujours dans cette douleur profonde de constater ces vides qui viennent de se créer dans le corps pastoral, particulièrement celui de la Belgique, auquel tous on fait partie. On est pasteur en Belgique, on se sent éprouvé, on a mal au cœur. Et mes pensées vont tout droit d'abord à sa femme, à ses enfants, à la famille. Vraiment que le Seigneur les fortifie parce que c'est d'abord eux le premier à plus sentir cette grande douleur d'abord, avant nous tous. Et aussi à l'église la Nouvelle Jérusalem, qui est une église de référence ici à Bruxelles et ailleurs aussi, hein, dans le monde, à Kinshasa, je vis à la télévision certains de leurs cultes. Vraiment, on a perdu un grand visionnaire. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment beaucoup de condoléances et que la famille puisse vraiment compter sur le corps pastoral. Donc, on est membre de ce corps-là. Nous attendons les programmes. Vraiment, dès que les programmes seront fixés, tous avec nos fidèles, nos assemblées, on va vraiment s'atteler pour pouvoir vraiment manifester notre soutien, compassion autour de la famille, surtout la famille biologique. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les pasteurs, parce que là, on est tous mobilisés, nos fidèles sont mobilisés, les communiqués vont passer dans l'église que je conduis particulièrement aussi, et avec les autres collègues aussi, certainement. Vraiment, que les seigneurs puissent fortifier toute la Belgique chrétienne par rapport à ce qui vient de se dérouler. Et merci beaucoup. Que la gloire soit rendue à Dieu. Libota bana nzambe topesi biso nyonso mbote mbote oyo eye na pasi na motema. Pasi na motema po to biso awa na mboka Belgique to perdre mutu moko to ko pesa ye Bakombo ebele, l'évêque Martin Mutiebele. L'évêque Martin Mutiebele, c'est un leader. Leader pourquoi? Parce que derrière l'évêque Martin Mutiebele, il y a toute une masse d'individus, de personnes, d'églises, des assemblées, des familles. L'évêque Martin Mutiebele, c'est un père. Un père qui a su bâtir une famille dans toutes ses dimensions. L'évêque Martin Mutiebele, c'est aussi un pasteur. Pasteur d'une communauté. Une communauté qui a confirmé Moussala Naye Awanamboka Belgique, la Nouvelle Jérusalem. L'évêque Martin Mutiebele, c'est aussi un pionnier. Dans chaque domaine, il y a toujours un pionnier na yango. Et dans le domaine, il y a l'évangile Awa, Namboka, il y a Belgique. L'évêque Martin Mutiebele, c'est notre pionnier. Si aujourd'hui nous avons
ce travail au Tozoko Salalelo, au Salamoussala Nzambe, il fallait qu'il y ait quelqu'un aïba kofuta pris, engagé jeunesse naïe, engagé énergie naïe, engagé vie naïe, katkat namboka oyo. Et aujourd'hui, il a plu au Seigneur, yakoba ko rappelé. Nayango, au nom ya basali na nzambe nyonso na mboka Belgique, toye koyeba ko présenté en premier ba condoléances na biso na libota na ye, na mwasi na ye, pe na bana na ye. Toye ko présenté ba condoléances na église communauté Mobimba ya Nouvelle Jérusalem. Toye ko présenté ba condoléances na famille chrétienne Mobimba ya Belgique po na décès oyo, po na kufa oyo e komeli biso. En tant que bana nzambe, en tant que basali nzambe, toye biete oyo e komeli biso ezali se étape moko po ete biso bana nzambe to se reposaka. Biblo bito lala kande. Na yango wana, tokoyeba ensemble, na libota Mobimba ya Nouvelle Jérusalem, na libota biologique, na ye koyeba kozala ensemble, pour na ete ba dernier moment na ye oyoyo, toka koyeba ko honore yango. Tozali na likanisi, na biso nyonso, basali na nzambe, pour na ete koyeba ko honore mémoire ya l'évêque bishop Martin Mutshebele et quand koyeba ko lekala na kati ya kimia nyonso tika ete kolo ako koyeba ko sunga mitema ako koyeba ko consoler mabota ako koyeba ko simba esika oyo pota ezukisami pour ete yende kaka nda koyi ko sala biso ba toto koloba mais oyo ayeba ko consoler eza se yen kolo kolo akoko ba ko consoler libota Mobimba na kombo na Yesu tolobi amen.